Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur FDZ Plomberie, appelez-moi Demuel Zofou. Dans la nouvelle vidéo d'aujourd'hui, nous allons entièrement remplacer une ancienne pompe de forage. L'ancienne pompe a eu des soucis, malheureusement, il faut qu'on la remplace. Alors nous allons le faire intégralement dans cette vidéo où vous allez voir ce travail étape après étape. C'est une vidéo qui est certainement différente de toutes les autres vidéos que vous avez déjà eu à regarder, parce que après cette vidéo, vous aurez la possibilité d'installer vous-même une pompe immergée, que ce soit du puits ou du forage, et vous aurez la possibilité de faire vous-même votre câblage à l'automatique. Donc, restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour pouvoir maîtriser toutes les techniques que nous allons employer. Alors, on va tout d'abord commencer par enlever la pompe du forage. Alors, let's go. Thank you.
losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you mean? We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness.
Voilà, nous sommes arrivés à la partie que vous aimez beaucoup, c'est-à-dire le câblage automatique. Donc, l'ancienne pompe avec l'ancienne installation, c'était déjà automatisé, que voici. Donc, là, on a un disjoncteur moteur, là, on a un contacteur et puis la boîte de commande. Donc, là, maintenant, nous allons installer la nouvelle boîte de commande puisque chaque pompe vient avec sa boîte de commande. Et je suis avec mon ami Steve. Mon ami Steve qui va câbler ça. C'est un électricien professionnel. Donc, il va câbler ça et au fur et à mesure, il va vous expliquer quoi, ce qu'il est en train de faire. Il va déjà vous montrer qu'est-ce qu'il a déjà installé, qu'est-ce qui est installé. Parce qu'il y a toutes les arrivées, il y a l'alimentation, il y a le flotteur qui arrive également. Comment est-ce que ça a été câblé la dernière fois et qu'est-ce qu'il va faire actuellement pour que vous soyez en mesure de bien comprendre. Alors, let's go. Oh. Ouais, bonsoir, bonsoir les amis. Moi, c'est Steve. Hein. Bon, là maintenant, nous avons un ancien câblage qui a été déjà fait. Bon, je vais démonter l'ancien câblage et vous recabler à nouveau pour que vous puissiez mieux comprendre. Là maintenant, là, je me mets à démonter pour reprendre à zéro pour que vous puissiez comprendre. Je pense que là, c'est déjà l'alimentation, n'est-ce pas? Oui, ici, nous sommes au niveau de l'alimentation. Là, maintenant, elle est fixée. Nous revenons maintenant à la base. Ici, nous avons un disjoncteur moteur et un contacteur et la boîte de commande. Là, nous avons l'arrivée du courant 220 volts. On le prend là, on le met à L1. On le met à L1, à L2 sur le disjoncteur moteur. Donc l'alimentation, il va les câbler sur le L1 et le L2, n'oubliez pas. L1, L2 pour l'arrivée du courant. Donc je me bats à filmer comme j'ai pu. L1, L2. Très bien. L1, L2 pour l'arrivée du courant. Faut bien capter. Et si tu arrives au chantier, c'est chaud, tu mets cette vidéo en live, tu la regardes et tu travailles en même temps. C'est ce que je vous dis toujours. Et là en bas maintenant, nous allons récupérer l'alimentation en bas du disjoncteur. Sur le L1, L2 toujours. Très bien. Donc en haut, on a câblé l'alimentation sur le L1 et L2. En bas, donc, on essaye de récupérer l'alimentation toujours sur le L1 et le L2. Donc, la lumière entre en haut, ça sort en bas tout simplement. Voilà.
Et là maintenant, après l'avoir récupéré, le 220 volts en bas de votre disjoncteur, vous le récupérez en haut. Au niveau du contacteur. Au niveau du contacteur. Vous le récupérez au niveau du contacteur. Vous lui mettez encore sur L1, L2. Très bien. Donc, le courant sort du disjoncteur moteur sur L1, L2. Ça va se brancher sur le contacteur au niveau des L1 et L2 toujours. N'oubliez pas, on est toujours sur les L1 et les L2. Le courant qu'il est en train de câbler sur le contacteur. Et maintenant, l'alimentation de votre bobine, la bobine de votre contacteur, vous allez prendre... Attends, la bobine du contacteur, tu l'as vraiment branché où? Oui, sur la bobine, là-haut, sur A1. Très bien. Parce que la bobine, c'est A1, A2. Nous avons A1 là et A2 là. C'est la bobine du contacteur. Très bien. Et la bobine du contacteur, la bobine A1, on va le prendre, on doit le mettre sur L1, sur le courant L1 du contacteur. On le jumule là, sur le 220 volts qui est arrivé sur le contacteur à L1. On jumule la bobine là et on le branche sur L1. Donc n'oublions pas que ce qu'il dit que c'est la bobine, en fait, c'est un petit morceau de câble qu'il a pris, il a branché sur le A1. Et il vient donc le brancher sur le L1, n'oubliez pas. Juste un petit pont. Voilà, juste un pont, quoi, c'est ça. Ouais. Oui, tiens. Et là, maintenant, nous avons le flotteur. N'est-ce pas? Le flotteur. Attention, mais... on ne voit pas. Vas-y. Là, maintenant, nous avons le flotteur. Très bien. Le flotteur doit venir maintenant sur L2. Un côté du flotteur doit venir sur L2. Très bien. Le courant L2 du contacteur. Donc, un bout de flotteur vient se mélanger avec l'autre câble d'alimentation. Et pour se brancher donc sur le L2. L2. Très bien. Ça n'était pas facile à l'école. Et l'autre deuxième fil du flotteur. Très bien, continue. C'est ça. Ça va sur la bobine A2 du contacteur. Excellent. Donc l'autre bout du flotteur va sur le A2 du contacteur. Vous voyez que c'est vraiment simple. C'est vraiment simple. Il faut juste bien observer les L1, les L2, les A1, les A2 et savoir exactement quoi faire. Et là maintenant, nous avons l'alimentation de notre boîte de commande. Nous sommes entrés. De les sectionner là. Et un petit détail, Steph. Oui. Si le câble de la pompe venait en quatre fils normalement, comme d'habitude, parce que parfois ça vient avec la pierre. Oui. Où est-ce qu'on devait brancher donc la terre au niveau de notre contacteur en haut? Non, on n'a pas besoin de brancher la terre au niveau du contacteur, c'est au niveau de la boîte de commande. Ah, parce que là, admettons que avoir les fils de la pompe, les quatre fils qui viennent de la pompe. Très bien. Ça c'est la terre. La terre assise là où la terre doit aller sur la boîte de commande, sur le verre jaune. Très bien. Bon, nous revenons là où nous étions, sur l'alimentation de la boîte de commande. Là maintenant, comme nous avions mis, nous avons fini ici en haut, là en bas, l'alimentation maintenant de la boîte de commande doit venir sur T1 et T2. Très bien. Ça veut dire que T1 et T2 sont juste le prolongement de L1 et L2 qui viennent d'en haut, n'est-ce pas? Oui, oui. Très bien. Donc, il faut piger l'idée, hein. C'est très simple. Donc, vous rebranchez simplement T1, T2 pour pouvoir câbler l'alimentation
de la boîte de commande. Excellent. Et là maintenant, nous sommes au niveau de la pompe où nous allons le brancher dans la boîte de commande. Bon, là, présentement, les couleurs ne sont pas... Voilà, on a juste un câble de rallonge. On a juste un peu un câble de rallonge dont les couleurs ne concordent pas. Bon. Donc, n'oublions pas qu'ici, les couleurs concordaient, comme vous le voyez. Nous avons la terre ici, qui est le vert jaune. Nous avons le rouge, le bleu et le noir. Vous prenez tout simplement le vert jaune, vous mettez sur le vert jaune. La couleur marron, vous mettez sur la couleur marron. La couleur bleue sur la bleue. La noix sur la noix, c'est tout. Et c'est ce qu'il va faire maintenant. Donc, c'est juste une correspondance de couleurs. N'oubliez jamais ça. Donc, n'oubliez jamais ça. C'est parce que là, notre câble n'est pas... Voilà, n'a pas de couleur identique. Donc, du coup, il connaît exactement ce qu'il a câblé au niveau de... Comme vous avez remarqué, lorsqu'on envoyait la pompe, après ça, il a câblé au niveau du forage. Il va juste faire suivre ça. Donc, notre pompe actuellement, le vert jaune, notre alimentation même ne vient pas avec le vert jaune, non, si je ne me trompe pas. Non. Très bien. Ça veut dire que si notre alimentation venait ici en vert jaune, où est-ce qu'on devait le câbler? En vert jaune? Oui. On peut le passer là sur L3. Sur L3. Très bien. On vient récupérer en L, bas. L3 également. L3. Si on avait par exemple un piquet terre dehors, on devait prendre à partir du piquet terre, de le mettre là, à L3, très et bien. Le récupérer encore là. L3. Très bien. Et le passer maintenant, le mettre dans la boîte de commande. Très bien, c'est ça. Et le passer où, s'il te plaît? Parce que ça sort d'ici pour venir là, non? Non, ça ne repasse par là. Ah, ça ne repasse par là? Oui, ça vient directement dans la boîte de commande. D'accord. Un petit peu de gauche. Hein. Là, maintenant... Comme les couleurs ne concordent pas, nous on a pris le rouge ici, ça représente le noir, la couleur noire. Très bien. Donc. Et la couleur vert jaune ici là, ça représente la couleur marron. Et la couleur bleue ici, ça représente la même couleur là-bas. Donc le mieux à faire dans votre cas, comme je l'ai expliqué, c'est d'acheter un câble de rallonge qui correspond exactement aux couleurs qui viennent avec le câble de la pompe. Là, ça fait que lorsque vous serez au niveau de votre local technique, vous allez facilement faire la concordance des couleurs, quoi. Marron sur le marron, le bleu sur le bleu, le noir sur le noir. Donc, pour ne pas vous perdre, quoi. Parce que ici, on est en train de faire juste une... Voilà, on essaie de faire juste des représentations parce que c'est un câble qu'on a trouvé sur place. Et vous savez bien combien coûte un câble souple de bonne qualité. On ne pouvait pas dire à notre client que... qu'il faut changer le câble, quoi. Donc, ça ne serait pas nécessaire. On fait juste une petite concordance là et puis basta. Donc, vous voyez, notre câblage est sur le point de terminer. Vous avez vu que c'est vraiment simple. Même à la maison, même vous pouvez le faire par vous-même. Il suffit de mettre la vidéo, de regarder, de faire en même temps que nous, c'est tout. On peut faire ça avec un petit si tu mets la vidéo qu'on a, on a vraiment expliqué, hein? On a expliqué dans les moindres détails. N'oubliez pas, parfois, vous allez vous rendre compte que la pompe ne démarre pas, il y a des éléments ici à l'intérieur qui se cadrent parfois. Donc, s'il te plaît, si tu peux peut-être expliquer ça, parce que il faut qu'ils comprennent que parfois, il y a des éléments qu'il faut changer. Ouais, les amis, ici, c'est un petit relais de relais. Sécurité. Des fois, quand la pompe le chauffe, il lâche de côté. Il ressort. Donc, c'est un peu comme un fusil. Il ressort de côté. Et quand elle refroidit maintenant, il faudrait venir appuyer à côté là, lui ramener à l'intérieur pour qu'elle déclenche encore pour démarrer. Ici, c'est le bouton de commande. Et quand il y a des chauffages au niveau des boutons de commande, du bouton de commande, elle ne fonctionne plus. Parce qu'il y a des chauffages, le courant ne traverse plus normalement. Et ici, c'est le condensateur. Quand le condensateur lâche aussi, elle ne démarre plus, elle ronfle tout juste. Elle ne démarre pas. Donc, c'est un peu les petits détails qu'il y a à vous donner. D'accord, c'est ça. Oui.
Parce que parfois, quand le condensateur lâche, elle ronfle, elle ne démarre plus. Donc, au lieu de vous faire la tête, allez acheter un nouveau condensateur. Je pense que le minimum, c'est le 35. C'est combien de microns? Allons à 45 microns. Très bien, 45 microns pour votre pompe. Ça dépend si vous êtes une pompe de 1,5 chevaux. Comme celle-ci là, ou bien sur 2 chevaux. Je pense que un condensateur de 45 microns va faire l'affaire. C'est ça, non? Oui, oui, ça va faire l'affaire. C'est ça. C'est en fonction de la puissance qu'on achète au condensateur. Donc, plus la pompe est puissante, plus le condo doit être puissant. Bon, là, les amis, c'est à nous maintenant de chercher comment on doit mettre au propre. Hein, parce que là, c'est sale. Bon. Donc, on va arrêter le câblage ici. Donc, on va se battre pour voir comment arranger ça. Donc, chez vous, vous pouvez arranger comme vous pouvez. Voilà, vas-y. Voilà. Là, on est en train de tester. Mais là, notre pompe est allumée. Est-ce qu'on peut, tu peux éteindre, je vais démonter un raccord dehors comme ça. On va voir comment l'eau coule. Là, je donne le OK dehors pour qu'on ferme le... D'accord. Voilà, c'est ça. Rien que pour vous, j'ai décidé d'enlever le tuyau au niveau de mon filtre réseau pour pouvoir vous montrer le test de notre pompe immergée. Alors, lancez-le, s'il vous plaît, lancez-le. Donc, vous allez voir ça tout de suite. Très bien, très très bien. Voilà notre eau qui coule convenablement. Donc ce qu'on va faire, c'est que de notre côté, nous allons donc laisser couler un moment comme ça pour que l'eau se clarifie et ensuite on va donc rebrancher pour que ça monte dans le cubiténaire. Alors, si cette vidéo vous a plu, laissez-moi un joli like sur cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner, partager cette vidéo au maximum à tous vos amis techniciens, à tous ceux qui en auront besoin. À très bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était FDZ Plomberie.